à l'instar d'autres pays. Le Sénégal s'inscrit dans une dynamique de respect et de promotion des droits et de la protection de l'enfant. Ces préoccupations apparaissent clairement dans les dispositions législatives, réglementaires, institutionnelles et documents de politique mis en place notamment à travers la stratégie nationale de protection de l'enfant, le plan cadre national de lutte contre le travail des enfants, le plan d'action de lutte contre la traite des personnes, les réformes du code pénal et du code de procédure pénale, la création du Haut Conseil des collectivités territoriales, le tout nouveau ministère de la gouvernance et de la protection de l'enfant. Ceci entre en droite ligne avec le plan Sénégal émergent dans son acte 2 où il faudra développer le capital humain. Cette session de formation organisée par la CONAF avec son partenaire Save the Children International vient à son heure et permettra aux collectivités locales, aux élus locaux, aux décideurs d'élaborer un plan d'action pour la détermination des actions concrètes, réalistes et réalisables pour démarrer le processus du budget public en faveur des enfants ou sensibles à l'enfant. Il s'agira pour la collectivité d'identifier et de prendre en charge les problèmes liés à l'enfance dans leur budgétisation respective. Mesdames, Messieurs, voilà les quelques mots que je voudrais prononcer à l'endroit des participants au nom du préfet du département de Ziguinchor. Je déclare ouverts les travaux de formation pour la planification et la budgétisation en faveur de l'enfant. Je vous remercie de votre aimable attention.